va poursuivre avec le titre de Sanofi. Sanofi, dont les investisseurs ont salué hier la poursuite de leur recherche et développement, des résultats sur, de, sur leur, leur recherche quant à, au vaccin qu'ils, qu'ils étudient actuellement. Pareil, est-ce que l'on peut parler d'inertie haussière sur Sanofi, Mathieu ? Bah, un gap qui permet de marquer de nouveau plus haut avec une belle accélération. Là aussi, c'est un alignement quand même puissant. Alors, Sanofi a eu un parcours compliqué hein, en 2024. C'était poussif. Ça a été compliqué jusqu'à l'été, en fait, jusqu'au franchissement de la résistance des 92 euros qui limitait le potentiel. Les cours ont débordé cet obstacle, sont revenus se positionner sur ce niveau. On a donc une polarité très forte sur 92, ce qui a permis la dernière phase d'impulsion haussière. Là aussi, belle accélération ces derniers jours, c'est notamment cette dernière séance, avec des supports de court terme à 100,50 et 98,20. La voie semble dégagée pour aller marquer de nouveau plus haut, 111,50. Et puis la zone entre 114 et 115,40 semble être les cibles les plus évidentes. Là aussi, inertie haussière est plutôt forte dans un secteur qui se reprend. Secteur qui se reprend, alors tout évidemment, il faut attendre les mouvements, les cours de clôture, mais ce matin, Sanofi, dans un mouvement, dans un marché haussier, perd 0,53% à 104,30€. Pas de raison de s'alarmer, Mathieu, j'imagine. Non, ça ne remet pas en cause le gap hein, pour l'instant.